Monseigneur, puis-je vous parler ? Les envahisseurs sont partis. C'est autre chose, Monseigneur. Il y a un groupe de bandits qui sème la terreur à Komoda. Ils ont massacré toute ma famille. Comme des bêtes. Alors je les traquerai comme des bêtes. Où ont-ils tué votre famille ? Chez nous, au nord d'ici, près de la rivière. Je vais m'y rendre pour chercher leur piste. Comment vous appelez-vous ? Saki, Monseigneur. Je vengerai votre famille, Saki. Château des Shimura. Oui, c'est terrible. Ils n'ont même pas eu besoin de se battre. Il leur a suffi de ligoter des prisonniers, d'allumer une torche et de laisser... Plus vite, Zora! Accélère, Sora. Sûrement la maison de Saki. Je vais voir à l'intérieur. De se défendre. Tué de sang-froid. Une carte indiquant cet endroit. Il est écrit « Alors enfin nous serons réunis ». Ils n'ont pas attaqué au hasard. Il n'y a rien d'autre ici. Je devrais regarder dehors. Mort en essayant de protéger sa famille. Ils étaient nombreux. Ils ont pris la direction de la route. À l'aide, Monseigneur. Que s'est-il passé ? J'ai entendu dire que la ferme Ketchi était libre. J'ai voulu y apporter des chevaux et des remèdes. Hélas, des bandits m'ont arrêté. Ils m'ont tout pris. Savez-vous où ils ont pu aller ? Ils ont parlé du village de Komoda. Du moins, ce qu'il en reste.
Je vais m'y rendre. Pouvez-vous marcher? Ketchi n'est pas loin. Je crois, oui. Donnez-leur une bonne leçon. Ils ont trouvé ça drôle. De Komoda. Les bandits y sont peut-être. Ces chiens ont tué la famille de Saki. J'ai suffisamment de riz pour tenir des mois entiers. Tu t'es bien moqué d'elle. Je me sentirais presque coupable de tout ça. Non, c'est faux. J'avoue, c'est faux. À Saki, où qu'elle se trouve. Qu'est-ce qu'elle a fait quand il l'a rejeté? Imagine que tu aies tué toute ta famille pour celui que tu es. Quelques jours après, il t'abandonne. Et qu'est-ce que tu ferais? Je me suiciderais.
vite, ça ne peut pas être... Je sais que c'est lui. Allons voir. Il est mort. Seigneur, c'est... Ne jamais rester longtemps au même endroit. Je ne dois pas nous échapper. Vous le faites. C'est bien ce que je pensais. Nous devons le venger. Inutile de le cacher. Je ne le vois pas. Allez, ça suffit. Mais ça aurait pu être lui. Ah ! Je sais que tu es tout prêt. Là, je ne trouve rien. Mais pas loin. Filet. Ce lâche nous attaque sans oser se montrer. Attention, un archer! Tirez forcément de là. Il a des flèches. C'est forcément lui. C'est bien ce que je pensais. Je sais que tu es tout prêt. Ça va rentrer. Mais gardons nos armes à portée de main. Ça peut être lui. On va aller voir. Ah 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 ah
Monseigneur, allez-vous m'épargner? Si vous me dites la vérité, de qui ces hommes riaient-ils ainsi? D'une pauvre fille. Elle était amoureuse d'Aruo. C'était le chef. Elle lui a dit où sa famille avait caché son riz. S'appelait-elle Saki? Oui, Saki. Elle était persuadée que les sentiments d'Aruo étaient sincères. Au lieu de cela, il a massacré sa famille, pris le riz et il l'a abandonné. Et j'ai été l'instrument de sa vengeance. Allez-vous-en. Saki me doit une explication. Que se passe-t-il ici? C'est une étrange tragédie, Monseigneur. Quand on remonte une dernière fois. Vous avez sauvé ma sœur. Où est Saki? Merci. Elle s'est noyée dans la rivière, d'après ce que j'ai compris. Elle se reprochait la mort de toute sa famille. Elle s'est laissée manipuler par les bandits que vous avez rencontrés. Ils ne feront plus de mal à personne. Merci, Monseigneur. Du bon en ressortira peut-être. J'ai l'estomac qui grogne de plus en plus. Vous connaissez le camp de réfugiés situé aux abords d'Umugi? Il est maudit. Des gens y ont disparu. Les gens qui sont là-bas n'ont plus de foyer. Ils sont vulnérables. Des proies faciles pour des bandits. De nombreux survivants ont perdu des êtres chers, des membres de leur famille. Il s'y passe des choses vraiment étranges. Je vais y remédier.
n'en serait pas là sans moi. Plus vite, Sora. Chiharu, hein? Venez,